Allez, salut à tous. On continue sur Polybridge 3. Comme je vois que ça a l'air de plaire, ben on continue. Tant que les ponts sont pas trop compliqués, ben on va poursuivre l'aventure. Alors, on a vu qu'on avait. Il fallait. Donc, description, saute au-dessus de l'avion pour obtenir le drapeau. Les voitures peuvent sauter plus loin lorsque la rampe ne se casse pas, forcément. Donc, faut que je saute au-dessus de l'avion. Il faut que je touche ici. Donc, il va falloir que je maintienne cette rampe-là. A priori, je ne peux pas construire de route. Donc la route, elle est fixée. Donc c'est un tremplin en fait. Donc mon but, ça va être de renforcer tout ça. Va essayer de faire ça, comme ça. Ah, attendez, je vois un truc. Un truc qui peut être intéressant. Parce que c'est vrai qu'en dessous, ça va pas être terrible. Ok, je vais essayer quand même. Je vais mettre tout ici. Hop. Comme ça. Ah, il veut pas aller. Dommage. Est-ce que je peux le bouger un petit peu? Bon. Par contre, je vois que ici j'ai un point d'accroche. Alors, ce que je vais faire, ça va être tout simple. Je vais même tenter un truc. Je vais carrément effacer tout ça. Et je vais y aller à la corde. Ça, comme ça. Ça a peut-être bougé. Et lui, on va le maintenir ici pour faire un équilibre. On va voir ce que ça donne. Allez, on va pas se mettre, on va se mettre en x5, comme ça on aura le temps de voir ce qui se passe. Pas mal. Trop facile. Et voilà. Bon, celui-là, franchement, il était pas dur. C'était la solution la plus simple qui était la meilleure. C'est souvent le cas d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait un truc, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé revenir en arrière. On pouvait voir ce que les autres joueurs ont fait. Bon. Tant pis, on continue. Alors, astuce. Là, il va falloir que. Alors, il me dit, petite astuce, désactive l'ajustement sur la grille. Ça. Pour ajuster ton point de façon précise. D'accord. D'accord. Bon, voilà, bah faut juste. Bah, je pense qu'il faut juste aller tout droit. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, je peux pas. Il y a ce truc-là qui me gêne. Ah ouais. À mon avis, faut il faut qu'il saute aussi lui. Hein. Ah ouais d'accord, j'ai pas assez de. D'accord, donc bah on est encore sur un tremplin. Alors ce que je vais faire, on va bouger tout ça là. Ouais, là effectivement, bon attendez, le mieux ça va être de tout recommencer. Et je vais refaire la route. Alors je vais monter de 1, là je vais monter de 2. Je continue de monter de 2. Là, on va monter de 3. Voilà. Peut-être monter d'un cran encore, peut-être. Pourquoi je peux pas le. On va tenter ça. Là, ce coup-ci, j'ai pas les cordes. Si j'ai des cordes. Alors lui, on va le mettre juste ici. Alors, là je. Ah ouais, j'ai quand même deux grands portiques comme ça. Donc là, ce que je peux faire, c'est. On va se mettre comme ça. Et lui, on va ici le mettre là. On va quand même faire ça. Parce que sinon, lui, il ne sera pas maintenu. Et puis le reste, eh ben, on va essayer de le faire en bois. Va faire un truc intermédiaire, comme ça. Lui, j'aimerais aussi. Voilà, on va le maintenir ici comme ça. Et puis lui, je pense qu'on peut le mettre là. Là, je pense que ça sera assez solide. Allez, on va voir ce que ça donne. Ben non, il n'y a pas le tronc d'arbre. Impeccable.
Voilà, est-ce qu'on peut voir ce que les autres ont fait? Voir un peu les solutions des autres joueurs. Voir dans la galerie. Ça peut être marrant de voir un petit peu ce que les autres joueurs ont fait. Lui, il a fait un tremplin classique. Ouais, tout le monde a fait un petit peu un tremplin. Bah, lui, il a mis des câbles aussi. Ouais, bah, tout le monde a fait à peu près la même chose, hein, un peu de choses près. Lui, il a fait un truc tout simple, tout direct. Ouais, bah, tout le monde a choisi la même. Alors, lui, il a pas mis de câble, il a mis. Ouais, c'est vrai que c'était pas idiot non plus, ça. Bon, après, c'est une question de coût, hein. Allez, on continue. Ne mets pas d'encre au milieu, essaie de le faire reposer, de faire reposer ton pont sur l'île. D'accord. Et là, c'est un gros camion qui passe. Alors, ok. Voilà, de toute façon, pas le choix. La route, elle va tout droit. Alors, j'ai accès à rien du tout, sauf le bois. Bon, ok. Alors, moi, je vais faire mon truc classique. C'est assez costaud comme système. Donc j'ai pas de raison d'en changer. C'est même bizarre parce que j'ai l'impression que j'avais déjà fait ce genre de choses. Voilà, j'ai peut-être été trop loin. Hop, comme ça. Faut que je fasse une symétrie. Garder une symétrie. Ici, je fais la même chose. Oh là. Oh là là. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Donc, je reviens là. Ici, on va refaire comme j'ai fait. J'aurais peut-être même pu aller plus haut, mais c'est vrai que j'étais un peu bas. C'est peut-être pas la meilleure technique. Mais bon. J'aurais dû aller plus haut. Après, je sais pas si c'est une réelle influence. Alors, moi je pense que ça peut aller. Je pense. Ça avait marché par le passé. Peut-être que c'est pas assez. J'ai peur que ça casse ici quand même. Mais bon, on va essayer. Là, c'est un camion. On n'est pas sur une voiture. Oh, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Ça tient. Bon, si ça a tenu la première partie, ça tiendra la deuxième. Ouais, tout simple. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis, là? On va aller voir dans la galerie. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ah ouais, ils ont fait une route qui descend et qui monte. Ouais. Oh, lui, c'est tordu ce qu'il a fait, là. C'est marrant, ils sont tous descendus, alors que moi, par défaut, il y avait déjà un support. Bah, moi, j'ai fait... Ah, lui, il a fait par en dessous. Pourquoi pas? Lui, il a fait tout le renfort. Alors, il a fait la même chose que moi, mais en dessous. Pourquoi pas? Après tout, c'est pas idiot. C'est pas plus idiot que de le faire par au-dessus. Lui, il a fait un pont classique, vous voyez, comme on voit avec un pied ici, un pied central. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Lui, il a fait light aussi, mais. Bah, y a des vrais ponts qui sont un peu comme ça. Hein. C'est vrai que dans le fond, c'est pas idiot. Bon, visiblement, il y avait plusieurs solutions. C'était pas très dur. Allez, on continue. Alors, tente d'appuyer ton pont sur le bord de la falaise. Ok. Donc là, j'ai une voiture. En fait, lui, il doit aller là. Et lui, à deux, il doit aller là. Donc, ils vont chacun aller dans leur sens. Et par contre, je n'ai que 5. Ce qui est normal. Ok, alors maintenant, j'ai le droit à des poutres en fer. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai déjà ici, c'est déjà préfabriqué. Est-ce que je reprends le même système? Pourquoi pas? Sauf qu'ici, j'ai pas la même chose. J'ai pas d'appui comme là. Bah là, moi, je vais faire mon système. Alors, je monte en plus en hauteur.
On va rigidifier l'ensemble, comme ça eux ils vont être liés les uns aux autres. Lui on va faire pareil. Alors on va se mettre sur la même hauteur que l'autre. Suis pas certain que le bas était vraiment indispensable. On va essayer ça. Oh, d'accord. Bon, lui il a marché, mais l'autre a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pont s'est écroulé parce qu'il était retenu à rien du tout. Donc ce pont-là, il va falloir que je le fixe à ça. Alors là, bah, c'est pas compliqué, on va dire. On va faire un truc comme ça. Je sais pas si c'est idéal, mais ça sera fixé. Et je vais me faire un truc. Sais pas si ça va marcher, si ça va. Pour rigidifier un petit peu tout. Lui, je peux le déplacer comme ça. Allez, on va voir. Je pense que ça peut marcher. Oh! D'accord. Bon, en fin de compte, j'ai l'impression que ça repose pas du tout sur ce pilier-là, je pensais. Donc là, il va falloir que je fasse quelque chose de franchement plus solide. Ça s'écroule. Ouais. Alors, j'ai pas de. Ça, c'est embêtant. Ça, je sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Est-ce que c'est d'origine? Est-ce que. Alors pourquoi il tient pas? Effectivement, il tient pas. Là, je suis bien embêté. Je vais tenter un truc. On va essayer de faire de chaque côté. C'est de savoir si déjà est-ce que ça tient ici. Ok. Va faire la même chose de ce côté-là. Sauf que j'ai pas de symétrie. Va falloir que lui soit là. Est-ce que je peux le bouger? Non. Oui. Aïe, il est en jaune. L'autre n'était pas assez loin. Lui, on va se mettre ici. Hop. Est-ce que ça peut tenir ça? Oh, ou alors, faut faire un tremplin. Lui, il devrait pas basculer en avant. Vraiment que je rigidifie. Alors je peux faire un truc à deux niveaux. Là ça va vraiment rigidifier l'ensemble. Je fais la même chose ici, mais au-dessus. Par contre ça va me coûter de l'argent tout ça. Pas ça. J'aime pas ça. Ça me plaît pas. Va rester là-dessus. Je reviens à ce que j'avais juste avant. Sauf que lui, ici, je vais lui demander qu'il le maintienne un peu plus. J'ai pas assez de longueur. Pas de choix, on va bien voir. Pas archi top. Est-ce que ça tient ça? Oh là là. Oh, ça va pas être simple ça. Sauf que je peux rien accrocher en bas. Ce qui m'embête, c'est que lui il bascule en avant. Alors c'est pas vraiment. C'est bien ça. Hein. Ah, il bascule en avant. Faut vraiment que je rigidifie l'ensemble. Un bras, ça.
Ça va fléchir évidemment. Ah mince. Là, je suis vraiment en mode. Je fais n'importe quoi. Si ça passe, tant mieux. Sur un malentendu, comme on dit, ça peut passer. Après, ça marchera peut-être, hein, mais alors ça va être une usine à gaz, ça va me coûter deux fois plus cher que. Pourquoi il veut pas lui? Ah, j'ai plus d'argent. Tu n'as pas les moyens. Oh, je suis en train de me ruiner. Bon, je crois que le mieux c'est de repartir tout à zéro. Alors, le fait de faire un pont, c'est peut-être pas la meilleure solution. Le meilleur truc, c'est peut-être de faire deux tremplins. Puisque le but, c'est juste que la voiture, elle arrive sur le terre-plein central. Donc, effectivement, faire un tremplin, c'est peut-être pas idiot. On va l'essayer sur un côté. Si ça marche, on fera sur les deux côtés. Essayer ça, par exemple. Essayons de voir ce truc. Après, ça dépend de la vitesse de la voiture. Ah, la vache, ça tient même pas. Bon, effectivement, ici, c'est pas bon parce que ça bascule en avant. Donc, il faut vraiment que je fasse un truc. Faut que les deux côtés soient liés. Et bah, celui-là est pas si simple que ça, les amis. Il est pas si simple. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Je pense qu'il faut que j'aille. Là, évidemment, si je le fais, ça tombe. Est-ce que je peux relier ça comme ça? Ah oui. Ça va permettre peut-être de. Ah bah il tombe quand même. Ou alors. Celui-là il va pas être simple. Hein. Ou alors je fais. Est-ce que ça tient? Déjà ça tient un peu mieux. Après j'ai juste à faire mon habituel système. C'est que c'est pas symétrique. J'ai fait une erreur parce que ça, je devrais le mettre ici. Ils sont liés quand même. Intéressant. On peut accrocher un bout de bois n'importe où sur la poutre. Étonnant. Aïe. Si je fais ça. Ah la vache. Ça accroche pas ici, ça accroche pas. Il faut vraiment que je rigidifie. Ça repose pas. Aïe, aïe, aïe. On va essayer en rigidifiant encore au-dessus. Mince. Donc pas grand-chose.
pense pas que ça marchera, mais. Me coûter de l'argent encore, ça. Ah mince. Ah oui, il m'embête lui. Est-ce que je peux le déplacer là? Hop. Ah, puis lui, c'est pareil. Nous, on va le bouger là. C'est vrai qu'idéalement. Bon, j'ai pas le choix. Allez, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il tient déjà? Bon, déjà il tient. C'est déjà une bonne chose. Et voilà les amis. Eh ben ça n'a pas été simple, hein. Je serais curieux de savoir comment on fait les autres. Par exemple, lui, là, il a fait. Ah ouais, oh là là. C'était un peu chaotique son truc là. Pas mal, mais bon, c'était pas terrible, terrible. Lui, il a fait comment? Ah, ça a marché. Ah, il a fait une route en hauteur, ce qui fait que, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a des ingénieux. Alors, lui, il a fait le tremplin aussi. Ah, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas consommé beaucoup de bois. Hein. Moi, j'avais quel score, moi, au niveau du poids? J'ai un score de 84% en tension. Poids du pont. 19 grammes. Ouais, certains ont été limite hein, au niveau de la. Oh, lui, il a fait un méga. Oh là là. Oh, oui, certains, ils ont vraiment fait des trucs. Oh là là là. Ah oui, il y a des vedettes. Hein. Il y en a qui sont très. Oh là. Alors, ça a dû me coûter en pognon. Ah, bah oui, 29 000, vous parlez. Ça, c'est le petit tremplin tranquille. C'est vrai que franchement, c'était la solution la plus simple. Hein. C'était pas idiot. Hein. Ça, c'est là un peu la même chose. Les tremplins, ouais, je pense que le tremplin était vraiment la meilleure solution. Vous voyez, c'était ce truc-là. Franchement, c'était pas mal. C'était ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, vous en avez, ils font des trucs super. Ouais, il y avait toujours un petit peu ce petit côté tremplin qui était clairement la solution. Moi, j'ai voulu faire à tout prix tout droit et c'était une erreur en fait. Bon, bah écoutez, de toute façon, ça a marché, c'était quand même bien. Le seul défaut, c'est que ça m'a peut-être coûté un petit peu trop d'argent. Ça m'a coûté 20 000, ce qui fait que bah, là, il me reste plus beaucoup d'argent. Alors, le problème, c'est que je sais pas si. Alors, au-dessus du budget de. J'arrive pas à comprendre. Argent restant 9 265. Si je passe, il me dit qu'il me reste combien? Ah, il me reste 10 000 là. Ah, j'ai plus beaucoup d'argent. Ok. Alors, place deux pistons correspondant à ceux qui servent d'exemple. C'est un pont-levis, non? C'est quoi? Je comprends pas trop leur truc là. Ok. Bon, bah écoutez, ce sera pour un prochain épisode. Pour l'instant, bah, j'ai eu le précédent était un petit peu plus difficile. Hein, il a fallu que je me casse un petit peu la tête. Mais vous voyez, parfois on fait des trucs très compliqués et comme souvent, la solution la plus simple est la meilleure. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.